Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à cette session sur l'Open Data, le protocole de données ouvert aux data, ainsi que sur WCF Data Services. Je suis Philippe Béraud. J'ai le plaisir d'animer cette session, co-animer cette session avec mon cluster de Sébastien. Donc Sébastien Brasseur, Sébastien Pertu. Bonjour à tous. Donc Sébastien Pertus, donc je ne fais pas partie de Microsoft. Je viens de la société BeWise, qui est une société qui est basée à Toulouse, à Aix-en-Provence et bientôt à Paris. Donc voilà, et je suis aujourd'hui enchanté de faire une session sur OData et je ferai une partie plus technique en fin de session pour vous montrer un petit peu l'implémentation de tout ça dans Visual Studio. Et donc Sébastien Brasseur, comme a dit Philippe, aussi à la direction technique de Microsoft France. Donc pour la partie OData. Donc essentiellement trois grands thèmes principaux dans cette session qui se veut quelque part un peu une introduction d'une seconde session qu'on aura le plaisir d'animer cet après-midi en amphi bleu, qui est la session INT 203, plus centrée sur la partie Open Data en tant que telle et mise à disposition de kits sous licence libre que nous vous proposons pour entrer de plein pied dans le mouvement Open Data. Dans le cadre de cette session, on va se contenter d'une rapide introduction sur le mouvement des données ouvertes pour resituer un peu le débat technique par rapport à ce que l'on essaye de mettre en avant comme proposition technologique dans ce domaine, se concentrer sur le protocole ouvert de données aux data et en comprendre les principaux intérêts dans ce contexte et aborder avec Sébastien une implémentation du protocole OData au travers de la composante WCF Data Services, anciennement Astoria. Open Data, ou données ouvertes, ou mouvement d'ouverture des données, on va parler de données publiques. Le terme public fait référence immédiatement dans l'inconscient à tout ce qui est administration, collectivité locale, territoriale. Ça commence à aller aujourd'hui, d'ailleurs un peu au-delà, on commence à voir un certain nombre d'entreprises qui s'intéressent à l'open data en tant que telle. On pourrait citer en France en particulier La Poste, la SNCF également, la SNCF qui est partenaire du concours que nous organisons avec les étudiants qui est Imagine Cup 2012, dans lequel pour la première année il y a un track open data. Donc aujourd'hui c'est un mouvement qui commence à aller au-delà de la donnée publique. Ça a commencé avec la donnée institutionnelle. Alors, pour rappeler très brièvement un cadre légal qui accompagne aujourd'hui la donnée publique, on pourrait citer la loi CADA, qui date de 1978, qui permet à tout citoyen qui fait la demande auprès d'une administration d'obtenir une information qui est détenue par l'administration. Ensuite, au niveau européen, on pourrait mentionner la directive INSPIRE, qui favorise l'ouverture des données et la réutilisation des données. Ce que l'on voit progressivement avec la transcription en droit français des différentes directives européennes, c'est que petit à petit, on s'achemine vers un cadre légal qui institutionnalise l'accès et la réutilisation aux données publiques. Alors pour la partie secteur public, bien évidemment, pour la dimension entreprise, c'est un petit peu différent, et vise à faire petit à petit de la donnée publique un droit opposable. Dans ce contexte, la libération des données, alors pour faire quoi? Si on se repositionne un instant sur l'action publique, c'est une gouvernance de la force publique au travers de la transparence, c'est typiquement mettre à disposition les budgets qui sont votés, mettre à disposition du public la dette, bon, c'est un sujet qui a un certain écho aujourd'hui, mettre à disposition les données associées à l'imposition locale. C'est une capacité potentiellement à intégrer le citoyen dans la démarche au travers d'une participation active dans ce qu'on va appeler par exemple le crowdsourcing, qui va permettre d'intégrer dans la dynamique le citoyen pour améliorer la qualité de la donnée. C'est potentiellement également un axe de collaboration au sein d'une entité publique, entre entités publiques, puisque finalement on va décloisonner un certain nombre de silos de données, et ben, au travers d'approches que l'on va présenter, c'est la capacité à voir sous un nouvel angle des données que l'on possédait, la capacité à faire des croisements, des cruchements de données et faire ressortir de ça des informations qui ont un sens particulier pour l'administration ou la collectivité.
C'est naturellement au travers de cette mise à disposition de données, au travers de croisements, typiquement pour faire des mash-ups, c'est la capacité à enrichir des analyses et des études, typiquement des études sociologiques par exemple. Alors c'est aussi les opportunités commerciales, on estime aujourd'hui au niveau de l'Europe, même si c'est plus une promesse aujourd'hui qu'une réalité, c'est un marché qui pèse potentiellement quelques milliards d'euros. Maintenant, c'est un marché qui a potentiellement à se transformer. En tout cas, c'est l'opportunité, dans tous les cas, de pouvoir développer de nouveaux services, de nouveaux produits, mis à disposition des citoyens, des usagers, du grand public. C'est très certainement une capacité, tout le monde parle de l'open data aujourd'hui, c'est un mouvement entre guillemets très, très hype, il faut en faire partie, donc c'est une capacité à améliorer sa notoriété, son image, et aussi potentiellement ce que vont rechercher un certain nombre d'entreprises privées en s'intégrant dans le mouvement open data, et c'est clairement dans ce contexte un facteur de différenciation. Donc la libération des données, pour qui? Alors, données publiques, administration, collectivité territoriale, le citoyen en tant que consommateur direct des informations mises à disposition. Alors potentiellement plus un citoyen qui va être, dans notre vision des choses, consommateur des informations mises à disposition au travers d'applications, de services qui consommeront ces données pour lui donner une information et un service. Peut-être pas forcément, même si un certain nombre d'initiatives vont vous présentera dans une autre session, enfin dans la session que je mentionnais cet après-midi, INT 203, un projet qui a été mené sur le Conseil Général 71, où le citoyen a capacité directement à accéder à de l'information visualisée par rapport à des budgets, par exemple. Mais ce que l'on voit plutôt aujourd'hui, c'est le citoyen qui va accéder indirectement au travers des services qui seront mis à disposition, de catalogues d'applications, on va revenir, qui seront mis à disposition. Donc pour définir et mettre et constituer ces catalogues d'applications, un écosystème autour de ça, ben ça suppose bien évidemment d'avoir des développeurs citoyens, des développeurs d'entreprises, des développeurs de start-up. Donc ça suppose de construire cet écosystème, on parlait des scientifiques à l'instant, des sociologues qui vont utiliser ces données avec d'autres sources de données pour faire des études et faire ressortir potentiellement des éléments que les données brutes en tant que telles pris individuellement en termes de jeu de données ne permettraient pas de mettre en exergue. Et ce qui permet de glisser par rapport à une autre dimension, ce qu'on appelle aujourd'hui le journalisme de données, qui permet de rendre, de faire jaillir quelque part, si je puis dire, l'information par rapport à des données brutes et par exemple pouvoir mettre en rapport des investissements sur la voirie avec des éléments de statistiques sur l'accidentologie qui a par rapport à une zone rurale par exemple, et mettre en rapport et faire ressortir que typiquement sur tel carrefour qui est très accidentogène, dans les budgets qui sont prévus sur les 10 prochaines années, il n'y a par exemple rien qui est prévu. Au contraire, mettre en relation, autre exemple, par exemple sur des hauteurs de trottoirs sur Paris, par rapport à des personnes handicapées qui se déplacent par exemple avec un fauteuil roulant, mettre en exergue le parcours que doit faire une personne pour aller d'un point à un autre, parce que les bateaux sont pas, il n'y a pas assez de bateaux, les trottoirs sont trop hauts ou autre. Donc, tout un tas de possibilités. On pourrait citer également par rapport au data journalisme des activités de tree mapping qui permettent de faire ressortir des consommations de budget par rapport à des sujets ou des temps ou des activités par rapport à des budgets ou autres. Donc, quelles données libérer? Potentiellement, il n'y a pas de données à exclure. Alors, si ce n'est, ça suppose par rapport notamment à la CNIL en France, ça suppose d'avoir une certaine anonymisation des données, donc toutes les données nominatives n'en font pas partie. Les données personnelles, de la même façon, n'ont pas nature à en faire partie. Tout ce qui peut être considéré comme données sensibles ou portant atteinte à la sécurité publique ou nationale ne font naturellement pas partie. Donc on va, par exemple, exclure aussi des choses dans ce contexte, comme l'emplacement des conduites de gaz, par rapport à des activités terroristes ou autres. On va également exclure de la même façon des données tiers. Si vous avez par exemple de la cartographie qui vient d'IGN, potentiellement, sauf accord particulier du tiers, ça ne fait pas partie de la donnée qui va être libérée. On va préférer travailler autant que faire se peut sur des données brutes. Il y a quand même un travail par rapport aux éléments précédents sur ces données brutes.
Bon, il y a un travail nécessaire, même si l'objectif est de travailler au plus près de la donnée brute en tant que telle, au plus près de la source pour libérer la donnée. D'un point de vue technique, le point que l'on souhaite mettre en avant, c'est qu'il y a essentiellement trois grandes phases. Il y a une phase de tri, de constitution des jeux de données à mettre à disposition. Donc ça, c'est un travail qui est à faire au niveau de l'administration, de la collectivité ou de l'entreprise, avec différents outils pour répondre aux critères. Par rapport à ceci et par rapport à la volonté de mettre à disposition un jeu de données ou un ensemble de jeux de données, il y a aussi, on n'a pas le temps dans le cadre de cette session d'aborder le point, mais il y a aussi une réflexion potentiellement sur la licence qui accompagne la donnée mise à disposition. Entendons-nous qu'on a un certain nombre de jeux de données que l'on souhaite à mettre à disposition. La partie suivante, c'est créer finalement un catalogue de jeux de données ou un ensemble de catalogues de jeux de données. Et la vocation de ce catalogue, c'est d'être essentiellement consommé pour pouvoir constituer un écosystème d'applications. Donc derrière, c'est pouvoir, à partir du catalogue, créer les applications qui feront que la donnée va avoir de la valeur auprès du citoyen, de l'usager, de tout un chacun. Et potentiellement remplir sa promesse de valeur économique au travers de services qui pourraient être, le cas échéant, vendus. Donc pour la publication des données, ce que l'on voit dans les projets Open Data qui ont démarré en France et ailleurs d'ailleurs, c'est essentiellement aujourd'hui constitué de fichiers plats en téléchargement, alors sous différents formats que l'on souhaite ouverts. Quand je disais essentiellement, c'est plus de 95% par rapport à tous les projets, donc c'est quand même relativement important. Ce que l'on peut en dire, c'est que pour autant, c'est contraignant à bien des égards. Si on imagine pour l'usager, alors aujourd'hui un usager mobile, ça serait la suite de mon propos, qui va avoir son smartphone, qui a un endroit donné, qui veut avoir une information par rapport à un jeu de données qui a été libéré, ce qui va l'intéresser, c'est potentiellement d'avoir l'information pertinente dans un certain périmètre autour de sa localisation courante. Il n'a pas du tout envie de télécharger dans son intégralité un jeu de données potentiellement très volumineux, et ensuite, ça supposerait de pouvoir le traiter au niveau de l'application. Ce qui m'amène au point du développeur, où l'idée, c'est plutôt de simplement interroger dans les catalogues des jeux de données mis à disposition, la donnée pertinente, et simplement requêter cette donnée pertinente, l'obtenir, et la rendre au travers de l'application et du service qui est mis à disposition. Donc l'autre dimension, c'est d'aller vers des API. Donc ce qui vient à l'esprit, c'est d'aller vers des approches fondées sur des services web. Sauf, certes, plutôt reste aujourd'hui, l'idée étant de ne pas forcément connaître quoi que ce soit de la source de données en a priori, donc ne pas s'entendre sur une interface. Le bémol que l'on pourrait voir dans ce type d'initiatives, qui sont aujourd'hui parcellaires par rapport aux différents projets Open Data, donc elles vont porter par rapport à tel ou tel jeu de données, mais ça va être très minimaliste par rapport à l'intégralité d'un jeu de données qui va être mis, enfin de jeux de données qui vont être mis à disposition dans le projet, c'est une disparité des API. Donc ça va être des API qui vont être propres finalement à un jeu de données. D'un jeu de données à un autre, ça va être complètement différent. Et la valeur va prendre de la libération des données, c'est surtout sur le croisement-cruchement. Donc du coup, ça veut dire prendre en compte des API certes similaires, mais tout à fait différentes d'un jeu et d'une source à une autre. Donc notre proposition en termes de dynamique, ça serait plutôt d'aller vers la version d'après, qui consiste à avoir un protocole qui intègre toutes les capacités, mais qui permette finalement d'être homogène, le même langage, le même format, quel que soit le jeu de données, quel que soit le catalogue de jeux de données que l'on veut requêter. Sur une telle fondation, encore une fois, la donnée brute, c'est une donnée indigeste. L'idée, c'est de pouvoir développer un patrimoine applicatif le plus rapidement possible, le plus simplement possible, donc disposer d'un tel protocole, on va essayer de vous le démontrer dans la suite de la session, on pense que c'est un gage de réussite en tant que tel. Pour autant, en termes de cible, on ne va pas forcément cibler uniquement des environnements web, même si aujourd'hui les terminaux mobiles ont ces capacités, mais ça suppose surtout d'avoir des applications dans notre vision des choses, ciblées pour typiquement la population des smartphones qui est grandissante, donc avoir une approche qui embrasse l'intégralité des plateformes qui se trouvent sur le marché des smartphones, de façon à avoir une proposition directement intégrée avec les places de marché applicatives de ces différents environnements, que ce soit iPhone, iPad, les différentes variantes d'Android ou Windows Phone par exemple.
Et on est convaincu que c'est à ce prix, finalement, que toute la promesse se transforme en réalité, en termes de valeur par rapport au mouvement Open Data. Donc c'est typiquement s'intégrer dans le social local mobile et proposer dans ce contexte des accélérateurs. Donc l'objectif, c'est au-delà d'un lochet de données, la mise à disposition de catalogues de données. Alors vous l'aurez compris, pas uniquement et plutôt sous forme de fichiers en téléchargement, mais plutôt au travers de la consommation d'un protocole, ce qui n'empêche pas de faire l'inverse. On le montrera cet après-midi. C'est de pouvoir très rapidement prétendre à constituer avec différents acteurs, publics, privés, un écosystème open data. Et pour amorcer la dynamique, c'est proposer un certain nombre de briques prêtes à l'usage, réutilisables par tout un chacun. Alors ça peut être l'illustration par l'usage au sein d'une administration, d'une collectivité. C'est par exemple au travers de l'extension Power Pivot sur Office 2010, la capacité à manipuler, à faire jaillir cette information finalement d'un certain nombre de sources de données. C'est mettre à disposition des exemples d'applications. Ici on cite Open Intelligence qui est un portail sous licence libre à destination de données géolocalisées pour faire de la visualisation et de l'analyse de données, donc avec un certain nombre d'extensions décisionnelles dans ce contexte. C'est la mise à disposition également de frameworks applicatifs prêts à l'usage qui intègrent en fait pleinement la dimension mobile smartphone, avec l'intégration avec les réseaux sociaux, la prise en compte des données géolisées avec de la visualisation sur de la cartographie. C'est ce qu'on vous montrera cet après-midi dans le cadre de la session INT 203 autour du framework sous licence libre que l'on propose, qui s'appelle Open Data Application Framework. Je vous propose, avec Sébastien, de rentrer dans la promesse du protocole et au data. Exactement. Donc, merci Philippe. Alors, tout à l'heure, Philippe vous a parlé d'une approche protocolaire pour exposer les données, pour réellement capitaliser sur le service de données. Donc, ouais, merci Philippe. Ce sera plus pratique pour coder après. Attends, par contre. Donc, alors, est-ce qu'il y a déjà des personnes dans la salle qui connaissent le protocole OData? C'est-à-dire qui en ont déjà entendu parler? Ah ouais, quand même, c'est bien. Pourtant, c'était une 200, hein. Mais bon, la session. Donc, en l'occurrence, ce protocole... Putain, pardon. c'est quoi? Je vais reprendre le micro normal. Bon. Donc, en l'occurrence, ce protocole OData, c'est donc une approche protocolaire pour exposer des données sur le web au travers d'une API web. Donc, c'est donc une approche différente de l'approche traditionnelle d'une API web. Typiquement, comment faisait une API web avant? Pour exposer des données, en fait, qu'est-ce qu'on faisait? On constituait un modèle de données qu'on mettait en général dans une base de données relationnelle ou NoSQL, c'est selon, peu importe. Et donc, pour exposer le contenu de cette base de données, qu'est-ce qu'on faisait? On développait tout simplement en front de cette base de données un service au travers d'une API web, en mode SOAP ou REST. Ce qui fait que, comment on développait ce service? On créait tout simplement une méthode pour répondre à un besoin. Donc typiquement, on avait une première méthode qui prenait, alors à dire, un paramètre, puis on se rendait compte que les besoins évoluaient, donc il fallait une deuxième méthode, une troisième, une quatrième, etc., etc. Donc déjà, on voit vite qu'il y a eu une explosion de la complexité de l'interface. Et en plus, le nom des méthodes, surtout s'il y a plusieurs développeurs sur le projet, ils auront chacun leur convention de nommage particulière, ce ne sera pas forcément évident. Donc, ça en l'occurrence, c'est pour une base de données, donc un service web. En plus, là, le modèle de données est relativement simple. Imaginez pour une base plus complexe, avec genre une centaine de tables, où vous allez devoir vous coder à la main les genre 400 ou 500 méthodes pour exposer toutes les données. Ça vous consommer du temps, de l'argent, oui, parce que le temps, c'est de l'argent, mais beaucoup de ressources aussi. Il y a tout l'aspect aussi documentation qu'il faut prendre en compte, qui n'est pas négligeable si vous voulez vraiment exposer des données qui vont être réutilisées et assurer un niveau de qualité digne de ce nom. Oui, enfin, pensez à la maintenance. Je parlais de cohérence tout à l'heure, de documentation. Sur un an, ça peut peut-être marcher. 2 ans, 3 ans, 4 ans, je suis pas sûr que ce soit un système vraiment évolutif. Donc, on a un peu réfléchi à ce problème-là. Et on s'est dit que publier des API web en mode REST, qui utilisaient les standards du web, typiquement HTTP, XML et JSON, c'était bien. Mais pour réellement capitaliser sur ces standards, il fallait utiliser en plus une approche protocolaire, en fait, pour unifier l'accès aux services de données. Quand je dis aux services de données, c'est tous les services de données. Au même titre que, enfin, pour faire une analogie, enfin, imaginez si toutes les bases de données étaient requêtables par un langage de requête différent au lieu du SQL. Est-ce que vous imaginez un peu la productivité de vos développeurs?
ce serait juste pas possible. En fait, OData utilise à peu près la même approche, c'est-à-dire on va protocolariser l'accès aux données. Donc, j'ai dit OData repose sur les standards du web. On va reprendre le même scénario d'une base cinémathèque, mais cette fois-ci exposé non pas par un service REST classique, mais par un service REST suivant le protocole OData. Donc, le standard de communication, évidemment, c'est HTTP. C'est donc un protocole REST pour adresser une ressource associée à une URL. Le fait qu'on utilise le protocole HTTP, évidemment, en termes d'interopérabilité, ça nous assure, disons, le délivrement de tous les facteurs de forme. Évidemment, tous les smartphones, toutes les tablettes, tous les PC, toutes les télévisions, toutes les consoles, et j'ai même vu des montres qui comprenaient le protocole HTTP. Donc, c'est pas négligeable. Tout à l'heure, je parlais de documentation. Le protocole OData embarque des spécifications permettant de greffer des métadonnées sur le service. On va voir tout à l'heure dans Visual Studio que c'est très très utile. Le format de consommation de la donnée. Évidemment, il y a deux formats à la mode. Le formalisme XML, en l'occurrence Atom, qui est bien connu des blogueurs. Enfin, qui permet en fait, c'est un formalisme pour représenter des flux de données en XML. Évidemment, le protocole JSON, qui tire parti notamment, disons, de sa faible bande passante requise pour les applications mobiles, où les utilisateurs doivent généralement payer un forfait data. C'est l'avantage du JSON par rapport au XML, c'est pour ça qu'il est si populaire, et aussi pour le JavaScript, HTML5. Tout à l'heure, je parlais de cohérence, d'unification de l'accès aux données. La sémantique, en fait, est toujours la même. C'est-à-dire qu'en fait, on va associer, disons, au pattern crude pour create, read, update and delete, les verbes HTTP déjà existants, en fait. Typiquement, vous utiliserez toujours le verbe get pour faire une opération de lecture sur votre service de données, le post pour faire une opération de création, d'écriture, le post c'est la création, le put c'est la mise à jour, le delete c'est pour effacer. Donc là, typiquement, en plus c'est assez intuitif, on se doute bien que la première requête, par exemple, sert tout simplement à obtenir dans la base de données le film qui a l'ID 6. La deuxième, c'est pour donc un utilisateur qui poste un commentaire, un rating. Le troisième, il l'efface. Et le quatrième, il met un jour, on va dire, sa fiche client. Un point qui fait la force du protocole OData, c'est l'intégration dans les URL des requêtes de conventions de nommage et de conventions de requêtage. En l'occurrence, via un système de mots-clés, par exemple, pour la première requête, via le mot-clé filter, ici présent, je peux appliquer un filtre sur les résultats qui sont retournés sur ma requête. Donc là, typiquement, on va aller requêter la collection de films. Donc tu veux que le meilleur, là, en fait. Hein. Pardon ? Que les 5 étoiles. C'est ça. Bah ouais, je veux que, entre guillemets, du luxe, quoi. Donc, en fait, on voit très bien qu'on applique un filtre. On vient filtrer sur la propriété rating pour obtenir tous les films qui ont la note égale à 5. Donc ça, c'est pour l'aspect requêtage. Et deuxièmement, la deuxième requête, donc, c'est pour traverser ce qu'on appelle une relation parent-enfant, typiquement retourner la liste des acteurs attribués au film dont l'ID est 4. Donc, on va tout de suite passer à une petite démo, mais comme vous êtes à peu près tous familiers, on va faire tout simplement vous montrer les bases du protocole OData et peut-être un ou deux trucs que vous ne connaissez pas. Merci. Attention, il marche celui-là aussi. Ouais, c'est bon. Merci Sébastien, quand même. Alors, par contre, tu peux me basculer sur le dos, s'il te plaît, par contre. Voilà. Donc, est-ce que vous connaissez tous Netflix ? Non ? Alors, Netflix, en fait, c'est tout simplement un service qui fait fureur aux États-Unis, qui arrive bientôt en Europe. Pour info, il consomme 40% de la bande passante Internet des États-Unis aux heures de pointe, tout simplement parce qu'ils font du streaming de films et de séries légal. C'est-à-dire que vous payez, en fait. Ce n'est plus méga-upload. Méga-upload affirmé. Ouais. J'allais dire malheureusement, mais non. C'est vrai que c'est recordé, la session. Alors, donc Netflix, tout simplement, ce qui assure leur succès aussi, leur visibilité, c'est qu'ils ont tout simplement mis en place, paradoxalement, une politique open data alors que c'est une entreprise. C'est-à-dire qu'ils ont mis à disposition des développeurs, suivant le protocole OData, tous leurs jeux de données. Ce qui leur assure des développements sur toutes les plateformes, en fait, pas fait par eux en l'occurrence, mais fait par des développeurs externes. C'est une bonne stratégie aussi pour s'ouvrir des opportunités commerciales, notamment via des développeurs qui vont penser à des concepts ou des applications auxquelles vous ne penseriez pas forcément, en fait. Donc quelque part, ils ont fait preuve d'humilité. Donc, je disais, ils ont mis à disposition un service OData. On peut donc s'y connecter librement. Et on voit donc qu'on arrive à l'URL qui contient le catalogue, c'est-à-dire l'entrée du service. On a donc le catalogue avec tous les jeux de données disponibles.
notamment les titres. Tout à l'heure, je parlais de métadonnées et de conventions de requêtes. On peut donc accéder aux métadonnées, toujours à la même URL, c'est-à-dire en utilisant le mot-clé « metadata ». On verra tout à l'heure, on va faire du reverse engineering tout à l'heure sur Visual Studio, on va voir à quoi ça va servir. Donc, en l'occurrence, moi je vais aller voir les films, donc « titles », boum. Donc là, on voit tout simplement que j'ai accès à un flux qui contient une entrée par film en fait. Donc c'est très simplement, c'est le format Adobe Pub, qui vous rappelle normalement les flux RSS. Donc là, typiquement, j'ai mon entrée, j'ai mes films, j'ai les relations parents-enfants pour aller, par exemple, naviguer d'un film, retrouver tous les genres d'un film ou tous les formats audio attribués. Et j'ai enfin toute la liste des propriétés. En l'occurrence, là, il y a un paquet de propriétés. Ça pourrait peut-être être intéressant de filtrer sur les propriétés. Récupérer juste celles qui m'intéressent. En l'occurrence, je veux les meilleurs films. Donc, évidemment, je voudrais le nom du film et la note moyenne attribuée par les utilisateurs à ce film. Je vais donc utiliser un opérateur de projection en fait qui va me permettre de requêter seulement les propriétés qui m'intéressent. Donc je vais dire select est égal les noms de mes propriétés, name, average rating. Et donc je vois que j'ai les mêmes résultats qui sont retournés, mais cette fois-ci, seulement avec les propriétés qui m'intéressent. Encore une fois, en termes de bande passante, de rapidité, c'est extrêmement utile d'avoir l'information pertinente quand vous la désirez dans le contexte utilisateur qui s'y prête le mieux. Mais moi, j'ai dit, je veux les meilleures notes. Donc qu'est-ce que je fais? Je vais appliquer en plus un filtre, tout simplement. Donc, dans l'URL, je rajoute le mot-clé filter. Et je veux dire que sur la propriété average rating, je veux, on va dire, supérieur à 4. On exécute, et on voit donc qu'on a, si on regarde tous les average rating, bon, je vais pas tous les faire parce qu'il y a un paquet de films, hein, mais vous pouvez tous voir qu'ils ont tous des notes supérieures à 4, en fait. Donc ouais, c'est pas mal, cependant on voit qu'ils sont pas dans l'ordre, que les notes ne sont pas dans l'ordre. Moi j'aimerais bien avoir les meilleures notes en premier, c'est légitime quand même. Donc je me dis, peut-être que je vais utiliser order by, la clause order by, pardon. Non. Average, décidément. Waiting. Et vu que je veux du meilleur au moins bon, je vais mettre en descendant, donc en rajoutant le mot-clé desk à la fin. Je vérifie l'URL. Ouais, c'est bon. Donc là, on voit en l'occurrence que j'ai du 4,8 au début, du 4,3 à la fin, enfin au milieu, et etc., etc. Ça finit par descendre. Donc là, on a vu trois opérations de base avec lesquelles vous pouvez quasiment tout faire. La projection de propriétés, appliquer un filtre sur la source de données et faire de l'endonnancement. Alors, ouais, si c'est bon, j'ai le temps. Donc, tout à l'heure, je parlais de clés primaires. Évidemment, vous voyez bien que OData embarque le concept d'identifiant unique pour identifier une entité, en fait. Ce qui fait que je peux, par exemple, sélectionner une seule entité, celle qui m'intéresse, et récupérer la liste totale de ses propriétés. Évidemment, je peux naviguer dans certaines propriétés qui m'intéressent. Tac, tac, tac. Pour récupérer juste le nom du film. Et si je veux aller encore plus loin pour optimiser encore plus la bande passante, je peux récupérer juste la valeur brute. Donc ça, c'est vraiment le fin du fin, quoi. C'est vraiment pour les bons, quand même. Et un point intéressant, j'ai dit que OData se reposait sur le standard du web. Du HTTP, du XML, du JSON. En l'occurrence, est-ce qu'on peut, avec HTTP, faire transiter des données, non pas en mode texte, mais par exemple des données médias comme de la musique, de la vidéo, des images? J'attends un oui, mais très bien, vous connaissez bien le protocole HTTP. Donc en l'occurrence, si on va voir la balise content type, on peut voir qu'on peut attribuer non pas seulement des données en mode texte, mais essentiellement attribuer des données riches à un enregistrement. Ce qui fait que, en utilisant le mot-clé value, je peux aussi faire transiter des données riches, c'est-à-dire du média, de la donnée binaire. Donc en fait, le protocole, il est sans limite en termes de, disons, d'exposition de données. Vous pouvez exposer les données en mode texte, typer fortement les données, et aussi faire transiter des données binaires. Donc je vais m'arrêter là, et on va repasser sur les slides de Philippe. Donc Sébastien. Ah oui, pardon. Je crois que tu avais la main. Donc, là, je vous ai montré juste, on va dire, la base d'OData. Évidemment, il y a tout un tas de mots-clés
qui sont compris dans la spécification. Bon, ce qui va nous intéresser, c'est ce que tu as mentionné sur la gauche, enfin sur la droite, sur la... ça dépend de... ici. Ouais, de l'autre côté, pour la bande passante. Exactement. Donc, un des points qui assure le succès du protocole OData, c'est qu'il est à la fois ouvert et interopérable. Interopérable, on l'a vu, parce qu'il est régi par un système de spécification qui fait que toutes les sources de données sont exposées selon les mêmes mots-clés, selon les mêmes syntaxes. Et aussi, le protocole, enfin, les spécifications du protocole sont publiées sous une licence qui s'appelle OSP. Donc, qui est libre de droit, libre d'implémentation. Exactement. Ce qui fait que donc, n'importe qui peut donc implémenter le protocole OData pour ses propres besoins. Et d'ailleurs, est-ce qu'on n'a pas des amis, des collègues qui ont fait ça? Typiquement IBM et SAP, par exemple. Par exemple, en particulier. Par exemple, IBM et SAP ont implémenté le protocole OData pour leurs propres produits, quoi. Donc IBM pas... sur WebSphere et SAP pour exposer leurs données aujourd'hui. Donc, exactement. Un service ouvert de données au standard OData. Tout à fait. Point intéressant, peut-être juste... Donc par rapport à... Donc il y a une notion de producteur OData et de consommateur OData, vous l'avez compris, on va y revenir tout de suite après. Vis-à-vis des producteurs OData, de façon à s'assurer que par rapport à la démonstration brillamment en fait par Sébastien, le protocole répond sur la façon dont il est censé répondre, il y a un service de validation qui est aujourd'hui porté par une communauté open source qui permet de valider qu'un producteur est bien conforme à la spécification et selon la version de la spécification. Tout à fait. Et d'ailleurs, la Outer Curve Foundation, c'est une communauté libre, c'est ça ? Elle porte en fait un ensemble de projets, OData en particulier. On en trouve OData en termes de consommateurs sur Windows Phone, par exemple, en termes de bibliothèque cliente réduite OData, pour en citer une. Exactement. Donc, pour évoquer la roadmap produit, aujourd'hui, OData est dans sa version 2. C'est un protocole qui continue d'évoluer. La V3 est en cours de finalisation, qui apporte un certain nombre de nouveautés. Donc, Sébastien, je ne sais pas si tu veux nous en parler maintenant ou après. Maintenant ? Allez. Sur la V3, pas mal de nouveautés. Donc, bon, c'est quelque chose qui est porté par la communauté, donc ça prend un petit peu de temps. Un petit peu plus de temps. Un petit peu plus de temps. On aurait aimé avoir la V3 fin d'année dernière, mais ça sera pour cette année, je crois. Ça sera pour cette année. On l'attendait pour fin d'année, mais voilà. Ça sera pour cette donc, année. Bon, c'est l'avantage et l'inconvénient du modèle. On a pas mal d'améliorations. Alors, je vais en citer quelques-unes. De nouveaux types qui vont arriver, notamment les types géographiques. On attend pas mal de temps. Donc, tout ça, c'est soumis à pas mal de validations. Les systèmes de vocabulaire qui permettent de pouvoir donner un typage à une donnée dont on n'a pas forcément la signification. Par exemple, qu'est-ce que c'est qu'une clé primaire, qu'est-ce que c'est qu'un min ou un max sur un âge, par exemple. On a aussi l'arrivée de tout ce qui va être fonction, qui permettent de faire des actions sur un service OData sans avoir forcément besoin d'un retour du serveur. Donc, étant complètement dans la promesse du reste. Donc, pas de définition d'interface au sens sauf du terme. Exactement. Et après, on reste tout à fait conforme au protocole REST derrière. Je suis pas sûr. Bon, tout ça est soumis aussi aux évolutions qu'apporte la communauté. Il y a beaucoup de discussions. D'ailleurs, je vous conseille d'aller voir les discussions sur odata.org. C'est assez. Sur le forum en particulier. C'est assez marrant. Ouais. Donc voilà. Donc tout ça est soumis à cette validation. Mais bon, c'est vrai que c'est porté par la communauté. C'est vrai que ça prend un petit peu de temps. Mais c'est que maintenant l'écosystème suit, tant du niveau producteur que consommateur. Voilà. Après, une fois que la norme est sortie, il faut que nous, après, derrière, on implémente les frameworks derrière pour travailler avec. Et donc ça, ça décale toujours un petit peu. Quoi. Donc OData chez Microsoft. Alors on va le retrouver dans de très nombreuses briques technologiques, services et produits, donc côté producteur. On va le retrouver dans SharePoint, donc toutes les bibliothèques SharePoint sont capables de s'exposer en OData. Les listes SharePoint, en fait. On va le trouver dans Azure, avec les tables Azure. On va le trouver dans SQL Azure, dans les nouvelles capacités introduites par SQL Azure. On va le trouver, bien évidemment, dans la place de marché de Windows Azure. On va le trouver donc en corollaire de SharePoint sur SharePoint Online, notamment avec l'offre Office 365. On va le trouver également dans la partie CRM. Donc je mentionnais SQL Azure, c'est aussi dans la partie on-premise SQL Server. On va le trouver également vis-à-vis de tout un tas de consommateurs, dont par exemple Visual Studio sur lequel tu vas nous faire une démo. Oui, tout à fait. Il y a aussi System Center via le nouveau composant Orchestrator qui permet d'exposer en fait les runbooks, c'est-à-dire les anciens workflows d'Opalis. Sur le protocole OData, en fait. Donc, il y a vraiment, au niveau de Microsoft, une unification de l'accès aux différents services de données, des différents produits. Il y a vraiment une réelle capitalisation sur le protocole OData.
Donc c'est vrai également par l'industrie, d'une façon générale. Tout à fait. La communauté mentionnée par l'autre Sébastien. Donc on va le retrouver à ce niveau-là, aussi bien sur des producteurs que sur des consommateurs et API. Donc dans le cadre de cette présentation, simplement pour mentionner quelques consommateurs, donc en introduction, je parlais de l'extension Power Pivot pour Excel 2010. De la même façon, on pourrait citer quelques projets de recherche autour de Data Explorer, notamment des browsers Open Data. On aura une petite démonstration de Sésame, me semble-t-il. Ouais. Et puis, d'un point de vue, on parlait développement d'applications, développement d'un écosystème applicatif à destination des places de marché. Aujourd'hui, potentiellement, des bibliothèques virtuellement pour l'intégralité des plateformes et des environnements. Dans la version des diapos, on n'a pas le temps de le couvrir, c'est un peu fastidieux en tant que tel. On a intégré dans la présentation que vous aurez en téléchargement lorsque le webcast sera mis en ligne, plateforme par plateforme, typiquement ce dont vous avez besoin pour travailler en nos data. Donc vous aurez l'information sur iOS, vous aurez l'information sur Android, sur Windows Phone, etc. Donc vous retrouverez ces éléments dans la présentation. Eh bien, partons pour un peu de voyage browser, Visual Studio, avant de passer la main sur WCF Data Services. Tout à fait. Donc là, on va voir un scénario de développement, un consommateur au data, en fait, une application cliente au data. Ouais. C'est deux. Merci, Sébastien. Peut-être un petit coup de sésame pour montrer un browser. Allez. Allez, sur... Donc, Sésame qui est donc un browser OData, c'est-à-dire que c'est une application pour faire des mash-up entre plusieurs flux de données, notamment des flux OData. Tout à l'heure, je vous ai parlé de Netflix. Si on voit qu'on reprend l'URL tout à l'heure du catalogue Netflix et qu'on fait OK, on voit qu'on a effectivement toutes les collections de données et qu'on peut naviguer dedans, sans souci, en effectuant donc les requêtes. Voilà, donc ça c'est un exemple de consommateur. Évidemment, il y a dans Excel Power Pivot, à savoir que Sésame est en mode bêta, qu'il est libre de droit, enfin qu'il est open source, qu'il est gratuit. Et que c'est développé par un Français. Oui, c'est développé par Fabrice Marguery. Alors je sais pas s'il y a des lecteurs qui ont lu Link in Action, qui est donc un superbe livre sur Link en fait, du framework.net. Tout à l'heure, je parlais de metadata. On voit à quoi c'est utile. Tout simplement, en fait, le browser Sésame, en l'occurrence, va requêter les métadatas pour générer, on va dire, toutes ces classes proxy permettant de représenter toutes les données. Donc, voilà pour un exemple d'application cliente. Et maintenant, on va voir du code. Donc, alors, est-ce qu'il y a des gens qui sont à l'aise avec du .NET, qui ont déjà fait du Silverlight, c'est cool. Ok, donc maintenant on va faire une application Silverlight 5 qui va donc consommer toujours le flux OData de Netflix. Donc je crée mon nouveau projet. Et en l'occurrence, c'est une application qui exploite le contrôle pivot qui est donc nouveau dans Silverlight 5 et qui permet de représenter les données de façon très sympa et en plus très vite. C'est pas mal ça. Oui, il me reste 2 minutes, ça devrait aller. Enfin, mon BC est une brouette. D'accord. Voilà. Donc, comme je disais, on va utiliser le contrôle Silverlight Pivot, qu'il faut donc ajouter une référence vers la librairie de ce contrôle, system.windows.controls.pivot. Tac, tac. Je suis un pur développeur, donc j'ai pas besoin du retour graphique, en fait. Donc j'affiche que le XAML. Bon, sauf que là, c'est un peu long. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont déjà commencé à faire des projets open data, c'est-à-dire de développement de services, d'API ou de consommateurs Très bien. Donc vos retours pour l'instant, c'est productif, c'est bien, c'est utile. Il est potentiel. D'accord. Donc, tac tac. Donc là, je vais tricher un peu parce que c'est pas. Enfin, disons que c'est pas l'objet de cette conférence. Enfin, c'est pas une conférence sur le Silverlight. Donc, l'interface graphique, je fais du copier-coller.
Donc voilà, là, en gros, j'ai développé mon contrôle pivot, ça c'est normal. Ici, je définis des propriétés que je vais lier en fait à des propriétés qui sont contenues en fait dans mon modèle de données que je vais appliquer à mon contrôle pivot. En gros, ces propriétés, si vous avez peut-être reconnu des films que vous avez vu tout à l'heure dans le flux OData. Sur une première compilation. Et donc, on voit que le template donc de chaque item, c'est une image qui va pointer sur ce qui pourrait être une URL, en fait. boxart.highdefinitionurl, donc possiblement une URL vers une image haute définition pour chaque film, enfin de la fiche de chaque film. Donc là, je fais mon interface graphique. Maintenant, je voudrais ajouter une référence vers mon service OData, comme je faisais, en fait, par exemple, pour consommer un service WCF. Donc, c'est la même chose. Je fais clic droit, add service référence, sur mon onglet référence. En adresse, je prends toujours OData, enfin l'URL du catalogue OData de Netflix. On va faire un go. Et là, je récupère bien la même liste des collections. Encore une fois, je requête les métadonnées. Et tout à l'heure, je parlais de reverse engineering sur Visual Studio. Comment il fait Visual Studio pour générer toutes les classes proxy côté client quand on consomme un service? Tout simplement, si c'est du OData, il va aller voir l'URL metadata. Si c'est du SharePoint, il va aller voir l'URL qui expose, disons, les listes SharePoint suivant le protocole OData. Et si c'est un service, un service SOC classique, donc suivant les standards WS Star, en l'occurrence WS-Federation Metadata, il va aller voir l'exposition par défaut qui est slash MEX. Voilà pour la parenthèse. Donc, je vais attribuer, Netflix. Tac. Et là, je dis... Enfin, ce que je veux, c'est que mon application, quand elle se lance, en fait, donc là j'ai les classes proxy qui ont été générées, quand elle se lance, mon application, je veux que dès qu'elle soit chargée, elle aille requêter le service Netflix. C'est égal, tac, tac. Donc, toutes mes classes proxy ont été générées, je vais donc créer le proxy de mon catalogue, en fait, c'est égal à new Netflix. Catalogue. Je lui passe l'URL du service. Tac, tac. Ce qui veut dire donc que comme c'est paramétré, on peut avoir un service de production et un service de test. C'est pas gravé dans le code, on va dire. odata.com/v2/catalogue. Ensuite, je vais représenter ma requête vers le service Netflix. Cette fois-ci, au lieu de la représenter tout à l'heure quand je tapais à la main dans l'URL, je vais tout simplement utiliser link, en fait. Comme on fait, en fait, du link to object, du link to entities, du link to SQL, du link to everything. Alors, c'est toujours le formalisme link from title in Netflix.titles. Là, je vais sélectionner pour être sûr. Je vais sélectionner que les films où, qui ont bien une image en haute définition. Donc j'applique une clause. Et je fais un select. Title. Comme j'ai pas beaucoup de bandes passantes, je vais dire que query est égal à query.take. En fait, je vais récupérer seulement les 100 premiers résultats. A noter que le traitement se fait côté serveur. Donc là, j'ai l'objet qui représente ma requête. Maintenant, il va donc falloir créer une collection pour obtenir les résultats de sa requête. C'est la new data service. Oui, c'est ça. Collection de Netflix.title. Qui représente donc mes films. Tac, tac. Et ensuite, je vais charger de façon asynchrone dans cette collection les résultats de la requête. Donc j'utilise tout simplement la méthode collection.loadAsync. Je passe ma requête en paramètres. Évidemment, comme ça asynchrone, ça veut dire que j'aurai un événement qui va être déclenché quand le chargement sera terminé, sur lequel donc je pourrai appliquer des traitements. Donc collection. Le nom de l'événement c'est load completed. Donc là plus égal. On va le faire en mode lambda expression, programmation fonctionnelle en l'occurrence. Tac, 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 tac. Et là, si je me souviens bien, ouais, je dis que la source du modèle de données de mon contrôle pivot Silverlight, ça va être tout simplement la collection qui est donc requêtée. Je mets un petit point d'arrêt. Je lance.
chargement. On voit que j'ai bien écrit ma requête en mode link et que le, pour le coup, le provider client, je ne sais pas si vous voyez bien ici, c'est petit. On voit que mon provider client a bien converti la requête écrite en mode link, donc orienté objet, suivant le protocole OData. Donc, j'avance encore d'une case. J'ai passé donc le point d'arrêt avec le take one and run, et donc il applique l'opérateur top. Donc en fait, vous n'avez même pas à gérer, côté client, les développements OData. En fait, c'est déjà fait par le framework WSF Data Services Client. Et donc, si j'exécute ma requête, au bout d'un moment, normalement, boum, donc là, effectivement, les images commencent à arriver. Donc là, vous avez vu, il y a quoi? Il y a 20 lignes de code. J'ai mon contrôle, j'ai mon application cliente qui a consommé OData sans écrire, encore une seule fois, une seule ligne de code liée à OData. J'ai tout fait en mode link, comme j'aurais fait du link to entities, en fait. Donc en fait, c'est complètement transparent. Enfin, voilà, c'est juste aussi simple que ça de développer, enfin de consommer de l'OData. En l'occurrence, ça c'est avec .NET. Il y a évidemment des librairies pour iPhone, pour iPad, pour Android, tout ça, on les a vu dans le slide tout à l'heure. Donc maintenant, je vais rapidement finir. Enfin non, on va... Sébastien, tu vas peut-être passer tout de suite à la démo, vu que je t'ai un peu débordé. Pas de problème. Alors, attends. T'as 20 minutes, normalement. Je te passe peut-être l'intro sur les slides. Oui, alors juste les... parce que j'ai pas les slides, par contre, on passe sur l'intro de Philippe. Ok, juste le slide sur la différenciation. Alors attends, juste je vais prendre ça. Donc tout ça, je vais passer parce qu'aujourd'hui, on l'a vu. Hop, voilà. Juste pour une petite intro sur WSF Data Services. Alors jusqu'à présent, on vous a parlé du protocole OData. Après, on parle de WSF Data Services. Alors vous avez peut-être entendu il y a très longtemps Astoria, des OpenNet Data Services, etc. Donc aujourd'hui, il n'y a plus qu'un seul nom, c'est WSF Data Services. On oublie Astoria qui était le nom de code, même si la team qui s'occupe de ça chez MS s'appelle toujours la team Astoria. Voilà. Il faut savoir que, donc le nom définitif de WSF Data Services, on est bien d'accord. Voilà. Alors juste pour être bien clair, OData, c'est la norme, c'est un cahier des charges, c'est une communauté, c'est un pattern. Et WSF Data Services, c'est l'implémentation de cette norme par Microsoft pour l'ensemble de nos SDK. Enfin, c'est un SDK en fait. Hein. Donc vous avez d'un côté OData, et après Microsoft qui, avec ses petites mines, travaille pour nous sortir un SDK que l'on peut utiliser, qui va encapsuler toute cette mécanique pour pouvoir l'utiliser facilement. Donc chaque fois qu'OData change de version, donc on va passer de la V2 à la V3, eh bien on fait évoluer WSF Data Services pour pouvoir vous fournir les outils pour implémenter directement vos serveurs et attaquer directement avec vos clients, comme l'a fait tout à l'heure Seb en faisant un service référence. Alors je vais aller très très vite du coup, parce que j'ai un peu moins de temps, pour vous montrer comment est-ce qu'on fait facilement pour créer un serveur OData. En utilisant quoi? En utilisant WSF Data Services. Alors, je vais passer chez moi. Alors, bon, j'ai pris un peu d'avance, du coup, là, puisque c'est un petit peu plus rapide. Donc, j'ai juste créé deux petits projets. Alors, j'ai rien fait d'autre que de créer deux projets, ici, qui est donc un projet serveur et un projet console app. Le projet serveur pour créer mon serveur OData, et on pourrait imaginer le projet console app pour consommer les données. Pour créer, après, un serveur WSF Data Services, eh bien, rien de plus simple. Vous allez juste rajouter, ici, un nouvel élément. Alors, d'abord, pour pouvoir consommer des données, il faut que j'aille les requêter dans ma base de données. Ma base de données qui est ici, qui est une base de données qui n'a rien à voir avec Netflix, qui est une base de données d'une entreprise de donuts que j'utilise assez souvent, qui fournit des donuts un peu partout dans le monde. Ce que je vais faire, je vais juste rajouter un modèle Entity Framework que vous devez tous connaître. Donc ça, c'est quelque chose d'assez classique. On n'est pas encore dans le modèle WSF Data Services. Donc je vais juste rajouter ici, alors je vais assez vite, je vais donc récupérer l'ensemble des tables. Donc ça, c'est quelque chose d'assez classique que vous avez déjà l'habitude d'utiliser dans vos applications aujourd'hui. Donc je prends quelques tables, tac, 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 et tac. Hop, et je termine. Donc là, ça va me générer mon modèle EDMX. Alors tout ça, ça fonctionne avec CodeFirst, avec les ensembles, avec Entity Framework 4.2, etc. Il n'y a pas de souci. Je vais juste compiler pour pouvoir après continuer. Hop, je build, et de ce côté-ci, il ne devrait pas avoir trop de soucis. Voilà, donc ça, c'est on va dire le prorata de base. Je vais donc après rajouter maintenant ici mon fameux item qui me permet de faire du WSF Data Services. Alors, il faut savoir que moi, pour la démo, j'ai installé la CTP d'octobre. WSF Data Services n'est pas un CTP. Hein. Vous, lorsque vous avez Visual Studio 2010, vous avez WSF Data Services V2. Moi, j'ai la CTP d'octobre qui me permet de faire un peu de V3. Hein, juste pour être bien clair, donc ça je vais appeler ça Donut Services par exemple, alors WSF Services,
soyons fous. Ça va me rajouter l'ensemble des références nécessaires. Alors toujours pareil, je vais vous la faire assez courte, mais lorsque vous êtes ici, moi vous voyez qu'ici j'ai deux références qui s'appellent Microsoft Data Services et Data Services.client. Lorsque vous travaillerez, vous aurez directement les assemblées qui font partie du framework 4, qui sont System.Data.Services et System.Data.Services.client. Moi j'ai la CTP d'octobre qui sera inclue dans la prochaine version du framework, le framework 4.5. Okay, donc pour l'instant, ça c'est un petit peu la technique de Microsoft. On fournit à la communauté les assemblées pour éviter d'attendre de tout sortir pour la version suivante du framework. Ça permet d'avoir des retours et d'apporter des améliorations. Ça fait quelques années que c'est comme ça et c'est quelque chose qui est assez bénéfique pour tous. Donc ici j'ai mon service SVC et je vais juste ici dans mon canvas, on va dire, lui dire d'exposer eh bien, mon modèle Entity Framework. Mon modèle Entity Framework, il est ici, il s'appelle Donut Entities. Et à partir de là, je n'ai plus qu'à compiler et exécuter. Je vais juste lui dire d'exposer l'ensemble de mes entités en mode lecture. Là, c'est open bar, tout le monde peut aller voir l'ensemble de toutes mes entités qui sont disponibles sur ma base de données. Ici, vous voyez que j'ai aussi la version. Vous n'aurez que la version 1 et la version 2. Sauf si vous installez le SDK d'octobre, on est bien d'accord. Moi, j'ai la version 3 qui me permettra de vous montrer 2-3 choses supplémentaires. À partir de là, c'est terminé. Je n'ai rien d'autre à faire que de faire un view in browser. Et là, vous reconnaissez exactement la même chose que ce qu'on a vu avec Netflix. Et Dieu sait que je n'ai pas la base de données de Netflix. Mais sous la même représentation avec un workspace et une ensemble de collections. Et comme l'a fait Seb tout à l'heure, je suis capable par exemple d'aller récupérer l'ensemble des teams. Donc là, j'ai tout l'ensemble des teams. Je suis capable d'aller récupérer la team dont la clé primaire est la numéro 8. Voire, je suis capable d'aller récupérer via une requête qui permet de faire du filtre en disant que je ne veux uniquement que l'ensemble des teams dont le nom contient, je ne sais plus moi, qu'est-ce que je peux mettre comme nom ? Direction. Allez, hop. Direction, hop, name. Et voilà. Et donc là, j'ai l'ensemble des teams, donc je crois qu'il y en a deux, hein, si je me rappelle bien. Voilà, peut-être un petit peu plus. Bon, il y en a pas mal. Il y en a 4 ou 5. J'avais dû faire un autre exemple tout à l'heure. Donc là, j'ai 5 teams dont le nom contient direction. Donc c'est exactement la même chose que ce que j'ai fait. Et vous voyez que moi, j'ai rien codé, si ce n'est de mettre un nouveau fichier SVC. Je continue. Pour aller assez vite aussi dans ce système-là, sur votre console app, donc là, c'est exactement la même chose qu'a fait Seb, donc je vais très très vite là-dessus. Vous rajoutez un service référence, vous faites un discover, et vous avez ici votre service WCF qui est exposé. En fait, on est vraiment dans le même modèle que ce qu'on fait avec WCF. Et après, vous allez pouvoir utiliser vos données, mais sachez que ce qui transite, ce n'est pas un format particulier, c'est un format normalisé qui est du OData. Je vous montre la solution terminée. Donc ce que je viens de faire ici sur, alors que je retrouve la bonne, tech, ici, ce que je viens de faire ici à faire mon add service référence, c'est exactement la même chose. Et la requête que j'ai fait dans mon URL, c'est exactement la même requête que si je l'avais fait ici. Hein. C'est-à-dire que je fais du link et lui, il transforme en une requête au data. C'est là toute la puissance du SDK, quand vous l'installez. Ok. Donc ça, rien de plus simple que ça. Je vous montre assez rapido un exemple qu'on a fait hier dans une session dédiée à un cursus où on présentait aussi OData pour tout ce qui est sécurité par exemple. On parle souvent de la sécurité sur OData, comment est-ce que je fais pour sécuriser. Donc sachez que ici vous avez d'abord les règles d'accès qui permettent de dire par table, on va dire par modèle d'entité, les règles d'accès, mais des fois on peut être beaucoup plus fin. Est-ce que j'ai le droit de donner les accès à tel utilisateur? Donc là on va utiliser ce qu'on appelle les query intercepteurs. Là, par exemple, sur le query intercepteur, qui est donc un intercepteur sur la table des bouteilles, qui était l'exemple qu'on faisait hier, eh bien, je peux très bien utiliser de l'authentification et en disant, si je ne suis pas authentifié, je n'ai pas le droit d'aller récupérer les bouteilles. Si je suis authentifié et que je suis administrateur, je peux récupérer l'ensemble des bouteilles dont le user ID est celui que j'ai passé dans l'URL, par exemple. Donc, on peut aller très très loin dans le modèle d'authentification de votre modèle. Alors, sachez qu'au niveau d'authentification in the box, vous avez l'authentification Windows, vous avez l'authentification par formulaire, vous avez l'authentification basique, et vous pouvez même aussi faire de l'authentification custom. Moi, c'est ce que j'ai fait ici pour faire mes muses. J'ai fait un IHTTP module qui me permet directement de faire de l'authentification avec les providers membership à ASP.NET. Voilà, c'est juste pour le fun.
Le code sera à disposition, je ne sais pas où, sur mon blog ou sur le site des Tech Days, peu importe, vous pouvez récupérer ça. C'était, et puis ça m'a pris 10 minutes. Quoi. Voilà. Juste pour ça. Dernière démonstration, et j'en arrête là. On n'est pas trop mal. Pour vous montrer les nouveautés de la version V3. Alors, les nouveautés de la version V3, ça va être notamment les supports des types géographie. Alors, le support des types géographie, c'est très bien, sauf qu'aujourd'hui, ce n'est pas encore géré dans Entity Framework, donc je ne peux pas vous refaire la chaîne, je pars d'SQL Server, je crée mon Entity Framework, et après j'expose ça sur Data, puisque la brique du milieu, donc sur SQL Server, c'est géré depuis un bail. La brique de fin, qui est au Data V3, ça fonctionne. La brique du milieu Entity Framework, on ne l'a pas encore. Ça arrivera dans la version Entity Framework 4.5, qui sera shippée avec le Framework 4.5. Donc j'ai créé un modèle qui s'expose tout seul, et vous voyez qu'ici, j'ai bien réussi à récupérer ma position. Alors, hop, ici, voilà, qui est donc une position avec une norme, notamment avec un serre ID qui est de 4326, qui est une constante par défaut, qui est donc très bien pour chez nous d'ailleurs, et après ici une définition d'un point. Ce point-là, vous pouvez aussi le récupérer en format JSON. Si je prends ce que j'ai ici, alors je vais faire un truc genre, ici, je vais prendre ça, glisser, déposer, je lui dis que je veux du JSON. Hop, juste pour vous montrer à quoi ça ressemble, j'exécute, et ici j'ai bien dans, alors hop là, j'ai bien ici, alors, là, ici, je vais vous montrer à quoi ça ressemble, donc c'est juste horrible, hein, voilà, c'est compressé, mais c'est du JSON et ça fonctionne quand même. Et donc si jamais je regarde, je ne sais pas où c'est qu'on va avoir ça, mais vous voyez qu'ici, j'ai bien ici une last known location avec type point, avec les coordonnées qui doivent être, ok c'est ballot, c'était ici, qui sont ici. Donc la même chose est exposée en JSON, il n'y a pas de souci. Juste pour vous montrer qu'on est capable largement aujourd'hui d'utiliser ce genre de type-là avec la version qui est en cours. Sauf qu'aujourd'hui, Entity Framework ne fonctionne pas avec. Et si jamais vous avez vraiment besoin d'exposer des modèles avec des coordonnées géographiques, si vous n'utilisez pas Entity Framework, je le rappelle, vous pouvez encore faire des add service référence, sauf qu'aujourd'hui, je vous le dis, lorsque vous faites un add service référence, ça utilise la version V2, et donc ça ne génère pas le code pour tout ce qui est géographie. Donc ils ont sorti un template la semaine dernière que j'ai testé pour vous, qui permet de générer le service, le proxy, on va dire, pour pouvoir faire des types géographiques. Donc moi, je l'ai récupéré. Et juste pour vous montrer qu'effectivement, on gère déjà les types géographiques. Vous avez dans ma classe user. Donc ça, c'est le côté client généré à partir des métadatas qui sont exposés de mon modèle OData. Et donc, ce qui est généré ici pour mon utilisateur, donc côté client, vous avez bien ici un type qui s'appelle le geographic point, qui donc fait partie du namespace system.spatial, qui sera donc intégré à la prochaine version du framework. Voilà pour vous montrer à peu près les nouveautés que l'on va avoir. Alors, il y en a d'autres, mais on n'a pas le temps, mais j'aurais pu vous parler aussi du vocabulaire qui permettrait de mettre en place des systèmes pour pouvoir faire notamment de la validation, ce qui va être super, et tout ça, ça sera normé, quel que soit le type de modèle que vous exposez. Voilà pour ma partie. Hop, on va repasser sur les slides. Tiens, t'as le micro... Ah oui, alors ça c'était juste pour vous montrer, alors bon, ce slide-là vous le retrouvez un petit peu partout, c'était juste pour vous montrer où est-ce qu'on se situe, quel que soit le modèle de données que vous avez en dessous, vous avez toujours la stack WCF Data Services qui se superpose entre vous et HTTP, qui permet de formaliser vos données sous un modèle au data. Mais ça c'est toutes les démos qu'on vous a montrées jusqu'à présent. Les nouveautés, on en a parlé, et la démo c'est ce que je vous ai fait. Voilà, donc j'espère qu'au travers de ces quelques démonstrations qui ont émaillé la session, vous êtes convaincu qu'aujourd'hui, le protocole OData est une bonne direction pour entrer de plein pied dans l'open data, créer un écosystème applicatif, quelles que soient les plateformes, les environnements et vos environnements de départ pour exposer les données, donc que ce soit une base de données ou d'autres environnements. Donc cet après-midi, on aura le plaisir avec Sébastien de vous présenter deux kits de démarrage open source que l'on met à disposition pour créer justement des catalogues de données, d'une part, et d'autre part, mettre à disposition des modèles d'application smartphone, quelles que soient les plateformes qui permettent de consommer ces données d'une part et de s'intégrer de façon native et transparente aux réseaux sociaux. Donc si vous avez des questions, on est à votre disposition pour y répondre. On a 10 minutes pour des questions, donc est-ce qu'il y a des questions? Allez. Ah ben on va le répéter, dites fort et puis on va répéter. On répétera. Mm-hmm. Donc
donc sur les clients. Donc la question qui est posée est sur les clients autres que les plateformes Microsoft, tout à fait. Aujourd'hui, vous avez en fait l'intégralité des échanges autour du protocole ouvert de NeoData. Il y a un site communautaire qui s'appelle www.odata.org sur lequel, effectivement, on vous invite à aller voir. Donc, typiquement, dans la partie forum que mentionnait Seb, il y a toute la dimension échange au travers des évolutions qui sont proposées. Et dans la partie consommateur, vous allez trouver les bibliothèques clients pour tous les environnements virtuellement aujourd'hui. Enfin, si vous allez voir, vous verrez qu'il y aura... Enfin, je ne pense pas qu'on oublie un langage ou une plateforme aujourd'hui dans les communautés qui sont intégrées derrière. OData est à la base une ouverture qui a été proposée par Microsoft et la communauté a bien pris. Et donc après, il y a beaucoup de personnes derrière qui essayent de porter le protocole plus loin pour que ce soit vraiment quelque chose qui est ouvert, parce que c'est le principe d'OData. S'il n'y a pas d'ouverture sur OData, OData n'a pas de raison d'exister. La promesse d'OData, c'est d'avoir l'écosystème le plus large possible, à la fois côté producteur, de façon à ce que les consommateurs puissent bénéficier de ce mouvement, et même chose côté consommateur, de façon à ce que tout un chacun, en fonction de son environnement de prédilection, sa plateforme cible, en fait, trouve la bibliothèque qui correspond. Ce qui fait que, comme le mentionnait Sébastien, les discussions prennent plus de temps, mais ça en vaut vraiment la peine. D'autres questions ? Oui. Oui. Est-ce que l'objectif justement de SF Data Services, ça ne serait pas de jouer quelque part de VCF pour les services ? Alors, je vous la refais. La question, c'est est-ce que WCF Data Services ne va pas tuer WCF ? Alors déjà, on n'est pas au même niveau. WCF, c'est vraiment la stack de base de tout ce qui est communication tiers sur .NET. WCF Data Services, ça permet juste d'exposer vos formats sous une format OData. Si vous n'avez pas de raison aujourd'hui d'exposer vos données à l'extérieur, il vaut mieux passer sur du WCF plus bas niveau parce que vous aurez plus, comme vous maîtrisez les deux ponts, on va dire le client et le serveur, d'avoir quelque chose de plus performant. Mais on n'est vraiment pas au même niveau. Le pattern applicatif, si l'objectif c'est d'avoir de la sécurité sur les échanges, d'avoir de la fiabilité avec des capacités de replay dans les échanges, si c'est d'avoir d'aller vers du transactionnel par exemple, WCF va apporter ce type de réponse au travers de l'implémentation d'autres standards qui sont en l'occurrence la pile WStar. Donc on a deux objectifs différents. Aujourd'hui, on propose le meilleur des deux mondes avec l'implémentation, d'une part pour WCF, de l'intégralité de la pile WStar, qui sont un ensemble de recommandations de l'Oasis et de W3C. Bon, cette pile a des intérêts. C'est par exemple, pour l'administration française, le cas du protocole d'échange Presto, qui est fondé sur cette pile et qui est aujourd'hui largement interopérable, quels que soient les environnements sources et émetteurs, mais ça répond à des besoins très particuliers de messagerie fiable, sécurisée, etc. On est sur des patterns particuliers. Aujourd'hui, au travers du soutien de la communauté OData, sur l'aspect données, on va répondre à d'autres patterns d'architecture applicative, mais avec également la même ouverture. Donc, je crois qu'aujourd'hui, choisissez en fonction du besoin. Je crois qu'aujourd'hui, la question sur qui va tuer qui, ça serait plus une question de dire est-ce que les web services tels qu'on les connaît aujourd'hui, avec la version soft, sont amenés à disparaître par rapport à un protocole comme OData. Là, la question se pose un peu plus. Je n'ai pas la réponse. Voilà. J'ai pas la réponse sur l'avenir le dira. Après, si vous me posez la question personnellement. Question au fond, monsieur. Oui. Alors, la question, c'est est-ce que c'est une alternative à. Avec Sparkle RDF du W3C. C'est connexe. On est dans le même registre. Aujourd'hui, on peut faire, alors ceci étant, on peut par exemple implémenter du RDF au-dessus de l'OData. C'est typiquement par exemple ce que l'on propose dans le kit OJDI que l'on présente cet après-midi, où on offre une implémentation de RDF au-dessus de Sparkle. Après, en termes de sémantique, de description de sémantique, si on voulait vraiment être dans le même registre, ça supposerait d'avoir à disposition la version 3, où on va plus loin. Les deux ont des avantages et des inconvénients. Aujourd'hui, l'un des intérêts majeurs d'OData, c'est son écosystème aujourd'hui et sa disponibilité au niveau de pratiquement tous les consommateurs par rapport à l'objectif que l'on peut avoir sur l'ouverture des données. Donc, ce qui fait que aujourd'hui pour Microsoft, on aura tendance, même si on regarde les deux propositions technologiques et
et qu'il n'est pas impossible que l'on propose les deux. D'ailleurs, aujourd'hui, on propose RDF au-dessus d'Odata. C'est vrai que l'écosystème applicatif côté consommateur nous fait pencher sur une proposition Odata, puisque d'ores et déjà, aujourd'hui, eh bien, on sait atteindre tout le monde et pour le développeur avec une relative aisance, ce qui n'est pas forcément partagé pour l'autre proposition. Ouais, si donc l'autre proposition évolue, pourquoi pas. En fait, comme l'a dit Philippe, effectivement, l'écosystème Odata est beaucoup plus riche que, on va dire, RDF Sparkle. Ça peut s'expliquer notamment par, la simplicité, la simplification maximale du protocole Odata, contrairement à RDF et Sparkle, qui nécessitent quand même un investissement assez conséquent. Quand même. Plus riche, peut-être plus riche, mais beaucoup plus lourd. Beaucoup, beaucoup plus lourd. On prend juste une dernière question, puis on va s'arrêter là, puis on sera encore là pour le temps de déblayer, parce qu'après, il n'arrête pas de me faire des signes. Alors, non, le monsieur là, je suis désolé. Vous avez donné des exemples de consommation. Oui. Alors, dans l'exemple que j'ai donné, je publiais toute ma base de données. Voilà, et après je vous ai même montré à la fin qu'on pouvait aussi faire de l'authentification, etc. Donc c'était bon, on en prend une petite dernière. Sachant que sur l'authentification, Seb, juste par rapport à ce que tu montrais, on montrait également hier dans la session Fédération d'identité et cloud, les mécanismes d'autorisation au travers du protocole OAuth qui permet d'être dans un contexte hors plateforme Microsoft. C'est vrai. Allez, une petite dernière. Alors, vous me parlez de modèle en étoile sur WS Data Service. Ah, mais là, vous parlez de BI, là, on est sur. Ouais. Vous êtes déjà après, c'est-à-dire que les données que vous allez exposer, que vous ayez un modèle en étoile sur votre cube, c'est finalement le résultat des requêtes, la même chose que vous utiliseriez sur, par exemple, un report SSRS. Donc la requête est terminée, votre cube est déjà processé et vous faites après du requêtage. Mais votre data warehouse derrière et le modèle que vous avez fait en étoile, vous êtes déjà derrière, quoi. Là, on est vraiment sur la consommation de la donnée. Là il n'y a plus de problème de performance sur ce coup-là. Puis voilà. Bon, on plie. Si jamais vous avez des questions, on est heureux d'en parler un petit peu. Merci beaucoup. Merci.